Chirac, c'est-à-dire même la gauche, ils ont voté pour Jacques Chirac. Alors c'est Jacques Chirac qui va gagner, c'est lui qui devient président de la République. En 2011, Marine Le Pen succède à son père et elle devient présidente du Front National. En 2012, Marine Le Pen réalise le meilleur score de Front National à une élection présidentielle en obtenant environ, voilà, on va arrondir, 18%. Vous connaissez bien le conflit entre fille et papa, n'est-ce pas, et les procès. Mais Front National, il reste toujours Front National, il ne change pas de nom, seulement la tête a changé deux fois, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, sa fille. Et en avril 2016, les membres de Front National étaient 85 000 adhérents, dont 57 000 à jour de cotisation. C'est-à-dire 57 000, ils payent leur adhésion. Peut-être maintenant ça a augmenté un peu, peut-être oui, puisque ça c'était l'année dernière, mes chers amis. Alors, vous écoutez votre radio. Maintenant, on va parler, bien sûr, peut-être après une pause musicale, ou si, peut-être si vous voulez intervenir. Et après, on va parler, vous...